ñu ngi nuyu l'ensemble des responsables de Benno Bokk Yaakaar yi fi nek, à commencer par le maire de la commune de Mbour Fallou Sylla, di nuyu le maire de la commune de Ngaparou mon cousin Momadou Mbeng, di nuyu le maire de la commune de Somon mon frère, mon ami, mon parent Boukar Sadji, di nuyu nak particulièrement mon marabout, mon ami, mon confident Maodo Elhadj Malick Gueye. Dama ne won duma jël parole di wax, mais ñew bima ñew fi content ci Elhadj Malick Gueye ni mu duggé ci bir parti bi ak ni mu taxawé ci parti bi. Dama ñew fi pour saluer la sincérité de son engagement, la pureté de son esprit, la puissance de sa discrétion, l'intelligence et la force avec laquelle il entretient les meilleures relations avec tous les responsables et toutes les responsables de l'Alliance pour la République. Motax ma sawar pour ñew fi yendo ak mom and ak mom fi ñew may ko suñu doole, may ko suñu xalaat, may ko suñu xam xam, wan ko ne ñun ak mom ben lañu, on est des frères. Te ni mu taxawé ci parti bi non la le président Macky Sall bëgg nit ñi di nekk ci parti bi, moy jamm, moy salam, moy yene nit ñi jamm, moy and ak nit ñi li ñu bëgg ñu bëgg ko, li nga xamne mom moy dëgg ñu taxaw ci tek suñu tank. Chers frères et sœurs, militants, alliés et sympathisants de l'Alliance pour la République, notre parti, vous me permettrez ensuite de souhaiter la bienvenue à nos hôtes, Monsieur le ministre d'État Mahmoud Salé, directeur politique du président de la République Macky Sall, Maître Elhadj Oumar Youm, ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Chers camarades, militantes et militants, il faut rendre à César ce qui lui appartient. A-t-on coutume de dire, moi je dirais qu'il faut rendre à Macky ce qui lui appartient. Chers concitoyennes, chers concitoyens, s'engager avec un homme qui porte de telles valeurs, c'est s'engager véritablement dans la voie de l'espoir. Au niveau national comme sur le plan local, nous pouvons compter sur le leadership du chef de l'État pour conduire le Sénégal vers des lendemains meilleurs. Mbouroises et Mbourois, notre commune regorge d'hommes et de femmes compétents et prêts à se mobiliser pour apporter leur expertise en vue de relever les défis qui nous interpellent dans le cadre du développement de notre localité. En termes d'infrastructures de toutes sortes, de tranquillité, de sobriété, d'ordre public, de contribution à l'éducation de leurs enfants, ainsi qu'aux prestations de santé dans tous les quartiers. Au niveau local, nous devons traduire les préoccupations de développement du président en actes concrets, en nous engageant résolument à ses côtés par une gestion vertueuse et participative de notre collectivité locale. Cette déclaration répond à l'Alliance ARM, l'Alliance pour la Renaissance de Mbour. Un souffle nouveau, une équipe qui vient, qui évolue avec un souffle nouveau. Je pense que c'est clair, amener un souffle nouveau dans la commune, dans tous les sens, dans tous les voies de développement, dans tous les secteurs. Les points évoqués, c'est des points j'ai parlé du développement de notre commune, surtout les plans, sur le plan touristique, artisanal, et surtout sur le secteur de la pêche que je maîtrise très bien. En tant que patron de pêche expérimenté et capitaine d'armement, de pêche industrielle, d'une totalisant plus de 15 années d'expérience, donc je pense que je suis habilité, je suis bien outillé pour redonner un souffle nouveau au secteur de la pêche. Donc pour cela, j'ai axé mon discours dans ce sens, le volet maritime. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Soyons clairs, tout le monde me connaît ici à Mbour.
Moi, Elhadji Mali Gueye, je n'ai jamais eu une carte, je n'ai adhéré à un parti politique. Pour la première fois dans l'histoire de notre commune, j'ai adhéré à un parti politique, le APR. J'ai appelé toute la population autour de l'unité, autour du travail. Donc je pense que l'appel, mon appel a réussi. La mairie de Ngour vous intéresse ? On n'est pas encore arrivé à ce stade. Moi qui vous parle, je suis à une quinzaine d'années de la retraite. Tout ce que mon parcours professionnel a été très riche. Je ne me plains pas pour briguer une mairie. Mais si Dieu en décide, alhamdoulilah, je ne suis intéressé que du développement de notre localité, de notre commune, mais pas des intérêts particuliers ou bien vraiment ce type de problèmes financiers. Ce qui m'intéresse, c'est la dignité humaine, c'est l'égalité entre l'homme et la femme, c'est la justice sociale, c'est ce que j'incarne et ce que je prône. Le développement de Mbour, rien d'autre que de ça. Et xawma kagn lay amat occasion bu melni pour céder ni gatché galama celles et ceux qui ont été les précurseurs de l'Alliance pour la République ici à Mbour. Di féliciter Elhadji Malick qui initiative bi mu jël mënon na bañ nek sax une grande mobilisation, on aurait été satisfait Elhadji Malick, mais yalla def na au-delà de l'initiative elle-même qu'on salue, il a pu rassembler au-delà de la commune de Mbour, au-delà du parti. Il s'est présenté en homme de rassemblement à l'image de celui pour qui il mène le combat ici, le président Macky Sall. Diko ñaar momit yoon wi mu tracé bum ci jog